Faut que j'arrive à rentrer dans ce patelin. Tellement pas comment on y rentre. Sérieusement. D'accord, suffit de lui parler deux fois. J'ai horreur du coup du PNJ auquel tu vas parler deux fois. Hein. Ça, c'est une blague qui me fait juste chier. Hein. Ouais, voilà, mais bon, ça reste chiant. Tellement plus vieux, moi. Allez, on va y arriver. Ouais, moi je trouve ça totalement débile. Ça fait mal ce truc. L'attaque subtile, c'est pas totalement mon trip, hein. Dernière tombe, faut vraiment que j'en rachète.
Justement, elle va attendre. Je la boufferai devant le boss, la tente. N'est-ce pas? En même temps, c'est le plus passable. Ah putain, ouais, tellement ça, quoi. Tellement cet endroit. Il veut mourir. Il survit. Le con, il survit, quoi. Ah, quand même, il est, mais... Le con, il survit. Mais t'en fais pas, Fantasma, ça va passer, peut-être. Ça risque d'être difficile, mais ça va passer. Ouais, mais c'est les ennemis, quoi. Mais c'est con qu'il la monte ses limites. Il attaque juste avant le save point. Ah, les animations aussi, hein.
Baston. Ah mais totalement. Mais c'est les bruitages du charisme en même temps. C'est tellement le jeu du bruitage du charisme. One step bottle. Le boss, il est là. Allez, le gros strum chelou. C'est l'heure de faire péter les attaques de foudre. Oh merde! Il vient de me capturer Tifa, le con!
Et c'est elle qui était sur le point de healer. Commence bien le boss. Commence magnifiquement bien. Là, je crois qu'il va y en avoir besoin. Je crois que ça va être nécessaire. Tellement je le sens pas, quoi. Heureusement, il y a Phoenix. Phoenix. Mais totalement, quoi. Heureusement, il y a Phoenix. Ouais, je mets toute la puissance que je peux, hein. Le boss, il est compliqué. On en est à 20 heures de stream. Mais tellement je le sens pas. On va tenter. Mais tellement ça sent la mort. Ouais, on est d'accord. Moi aussi, je veux que le robot la lâche. Enfin, je veux que le robot les lâche, même. Ça va être douloureux. Ouais, il a piqué Sinaël, le con. On va faire ça.
Un bras en moins. Un putain de bras en moins. D'accord, donc faut juste bourriner les bras. Je pense que Sinéad va mourir sur cette attaque. Là, ça risque d'être long. Ah bah voilà, moi c'est réglé. Rip run. Ah, je les prends en même temps. Bah, ça m'arrange. Sauf que c'est une pincer, donc ça m'arrange pas, mais... Ce serait pas une pincer, ça m'arrangerait. Donc, on va faire ça comme ça. Si tu veux. Ah, ça c'est clair, les combats ils sont tendus. Là-dessus on est d'accord. Hein. Ok, ça c'était plus utile. Allez, on se le refait. De toute façon, ça peut passer, hein. Mais c'est vrai que le cratère nord, il va être très douloureux. Tellement je le sens pas, ce combat. Ouais, je pense que je vais essayer ça.
va finir par crever le bestiau. Voilà, et quel monde est. On va essayer de passer ça, déjà. Autrement, je charmerai un peu, mais... pas spécialement super envie, quoi. Donc... j'aime bien les ficus. Ah merde, j'étais convaincu que j'avais un truc pour leur enlever Führer. Je voulais leur enlever Führer, mais pas de quoi. Et on va essayer, puis autrement on va aller faire des courses et farmer le retour. Enfin, les deux en même temps. On a stressé le con. Elle a Beurin, hein. Ok. Bah écoute, bonne nuit. Oh merde, un mort. Merci. Je pense que je vais en avoir besoin en fait. Parce que là, je lutte mais tellement pour pas dormir. Il est pas mort. C'est pas elle qui a fini, c'est ça le problème. Elle a même pas vu.
Metron. Oh putain, ça me gonfle. Ça me gonfle de me faire ouvrir en deux par le premier mob qui vient, quoi. Sérieux, j'ai pas que ça à faire de farmer. Je veux aussi survivre. Mais je peux tellement rien faire. Ah mais là c'était évident hein. Hop, on se la refait. On fait exactement la même pareil. On va essayer d'y aller. Les limites et d'en avoir un peu plus. C'est juste mort en fait. La poisse, putain, la poisse. Non mais sérieux. Retortel. C'est juste mort là. Bon, je me barre. Ouais, voilà, c'est même pas la peine, là. Il n'y a pas moyen. J'arriverai pas à sortir. Ce qu'il faut pas faire pour avoir un game over. Sortir, on va s'acheter des trucs, des machins, des bidules, on va faire de l'XP, on va farmer de l'XP, parce qu'il n'y a que ça à faire, farmer de l'XP.
Je suis crevé, mais vraiment. J'ai qu'une envie, c'est de finir. J'ai qu'une envie, c'est de finir ce stream. C'est vraiment ça, quoi. Ma seule envie, c'est finir le stream, là. Mais là, je suis tellement underlevel. Je me fais rouler dessus à l'infini, quoi. J'ai juste essayé de ressortir du truc pour me stuff, acheter du matos. Ah, l'idée c'est d'aller acheter du matos, tout ça, et de retourner avec ce qu'il faut pour farmer. Ah, je suis totalement cassé, hein. Mais vraiment totalement. Au niveau de l'histoire, j'en suis... Bah... Ça avance, hein, c'est presque fini. Voilà, j'ai tellement envie de me coucher. Ça peut te rassurer, moi non plus, Tortel. J'ai pas le wifi dans le lit. Là, j'ai pas le wifi à partir du moment où je suis entre le wifi, enfin entre le récepteur et l'antenne. Je fais des interférences. Là, je veux juste que Tifa passe sa limite. Ça fait partie des priorités que Tifa passe sa limite suivante. Alors moi, de toute façon, tu m'enlèveras pas de l'idée que le mieux, c'est le filaire. On n'a jamais fait mieux et qu'on fera jamais mieux que le filaire. Alors, attends. Si, il y a des trucs ici, je crois. Voilà. Voilà.
Voilà. Ma souris à l'écran, voilà, je l'ai enlevé. Bon. C'est de l'autre côté l'auberge. J'espère. J'espère qu'il y a une auberge. Le wifi ça drop donc c'est pas pratique. Je te garantis que je pourrais pas stream en wifi. Hein. T'aurais une qualité mais tellement dégueulasse. Il est quasiment plus cher qu'une tente, hein. Mais bon. Allez. Sérieux, il n'y a pas un seul vendeur d'objets. Pas le moindre putain de vendeur. Putain de vendeur d'objets quoi. J'en ai rien à foutre de ça. Oh là là. Oh la reloutitude quoi. Parce que là, si je peux pas... Là, si je peux pas me refiler en objet, ça va pas le faire. Je veux dire, faut que je me refasse un stock de tentes et compagnie. S'il n'y a pas un seul putain de marchand, on va pas s'entendre. Peut-être là. On lui vend
des armes, c'est pas vrai. Bande de psychopathes qui vendent que des armes, quoi. Il n'y a pas un pour acheter une tente. Mais n'importe quoi. Je vais devoir aller à Pétaouchnop pour ça. Hein. Oh putain, et je viens de percuter ta vanne, Tortal. Je suis tellement crevé que je viens juste de la percuter. Bon. Alors, 20 contre 5 ici, il n'y a même pas de shop, que je vais devoir aller en trouver à l'autre bout du monde. Sinon, c'est pas drôle. Donc le shop va rien vendre d'intéressant. Voilà, c'est mieux. Avec ça, je vais pouvoir pexer un peu, en fait. Là, je vais enfin pouvoir aller pexer. Pexer directement dans le réacteur, mais aller pexer quand même. J'ai trouvé tout ce que je voulais, mais j'ai trouvé 2-3 trucs. Alors, je suis level combien? 40. Bon, on va essayer de monter level 45. Avant d'avancer, ce sera peut-être un peu moins la galère de l'infini. Pour l'instant, j'ai surtout besoin que Tifa fasse du mort. D'accord, on attaque. En fait, j'ai besoin que tout le monde fasse des morts.
contre-attaque niveau plus 1, ça c'est une bonne nouvelle. Hop, on va y arriver. Yes, c'est Tifa qui a eu le kill. Je veux que Tifa ait les kills hein, aussi. L'idée, elle est aussi là. J'ai besoin que Tifa atteigne son niveau 3 en termes de limite. Pour la maison, voilà le bateau, ouais. Totalement. Allez, une petite limite qui pop. Non. Bon. Ça combien? Ça ne l'a pas décompté. Ça c'est plutôt cool, ça ne l'a pas décompté. Elle fait tellement mal. Elle fait vraiment tellement mal.
gagner 2 niveaux, on va essayer d'en gagner un peu plus. Mais surtout, j'allais me faire les renous. Tellement aller bouffer les renous là. J'aime quand ils contre-attaquent. Attends, je pense à un truc, je vais essayer. Tellement il en vient les deux. Non, en plus j'ai mis feu deux fois sur même. Ça c'était un peu stupide. Donc là ça risque de tellement être plus efficace. Ah ouais, ah là c'est mieux. Là c'est quand même vachement mieux pour Tifa. Hein. Comme ça Claude il reste en mode je tape de loin avec des magies, c'est très bien. Faire du huile hein. J'ai tellement hâte d'avoir double attaque. Allez, c'est reparti. Va farmer un petit peu, ça fera pas de mal. C'est ce qu'il faut farmer.
Ah, ça va tellement plus vite avec une Tifa énervée. La Tifa énervée, c'est le bon plan. Ah, c'est une bonne nouvelle, j'ai régène. Enfin. J'ai enfin accès à régène. J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs avec plus avec des plusieurs ennemis. Ça m'intéresse plus qu'il y ait plusieurs ennemis. Allez, un petit combat, s'il vous plaît, pour mon level. C'est toujours pas suffisant, hein. J'aimerais bien juste que si Nael passe sa limite. Ouais, destruction niveau 2, ça m'aide pas.
Mais si les plantons, ils doivent passer leur niveau. Alors ben, j'aurais dit non. Si, ce serait bien aussi, mais... Jusqu'au 45 si j'ai pas ma limite avant. C'est tellement de la mise à mort. Ouais, de la foudre, ça va pas m'aider. Et on va réussir à faire quelque chose un jour. Ouais, ça avance, ça avance. Magnifique! Limite niveau 3 pour Tifa. Je savais qu'on pourrait le faire. Maintenant, on va essayer de mettre tout le monde à sa limite. On va essayer de mettre tout le monde sur son limit break. Ça va être un peu longué. Enfin, ouais. Bon, après, il lui en reste encore une, hein. Bon, celle de flotte devrait pas être loin. Par contre, je vais faire un truc. Voilà. Parce que maintenant, c'est à Sinaël de passer sa limite. Pour ça, faut tuer des gens. Oh putain, ça me fait tellement mal. Alors j'aimerais bien que tous mes persos aient leur limit break d'actif maintenant. Comme ça, on arrive sur le boss et paf, 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 limit break dans ta tronche.
L'idée est totalement là. Voilà, ça va pas m'aider. Tellement chiant. Mais ouais, si je peux le commencer le combat avec toutes les mine break, je vais pas cracher dessus. Niveau plus 1. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà, je rattrape un peu mon retard en termes d'XP. On va passer une heure à rattraper mon retard en termes d'XP, mais bon. Des niveaux 42. Ouais, j'ai envie de tenter. J'ai sauvegardé, on va tenter. Fais ma save, on va retenter le boss. J'ai gagné 4 niveaux depuis la dernière tentative. On va voir ce que ça donne. Je suis arrivé full HPMP. Mais pas avec les limites. Mais full HPMP. Ça c'est cool et surtout j'ai personne qui va être en fureur, ce qui est bien aussi. Alors faut commencer à péter les bras. Hein. L'objectif c'est le pétage de bras vitesse grand V. On va voir si ça passe. On va quand même être plus pratique. On va quand même aller mieux. J'espère. C'est l'heure de faire une tentative de boss.
Ouais, il commence par Odin, Bahamut, Néo Bahamut. Ça devrait lui faire mal. Surtout que c'est un Néo Bahamut Turbo MP. Alors, rappelons-le, c'est un Néo Bahamut boosté. Il est aux hormones celui-là. Hein, et pas celle qui font pousser les boobs. On va espérer que ça passe. Du 5000 dans sa gueule. Ouais, de toute façon... Si, là, j'ai plein de temps ici. On va tenter le bras gauche. Hein. On va tout mettre pour casser le bras gauche. Non, gauche. Tout sur le bras gauche, tout sur le bras gauche. Le cibler gauche gauche ouais du heal ça c'est une bonne idée le heal. Mais il va arriver c'est une bonne idée. Une bonne idée que je remette une dose. On va remettre une dose de heal 2. On a dit le gauche. Bon, 2500, c'est une braille pète pas, je sais pas ce qu'il lui faut, hein. C'est l'heure du Bahamut, standard. Ah ouais, rien que 4 niveaux, ça fait quand même une différence totalement énorme. J'aurais pas cru que 4 niveaux, ça fasse une différence aussi délirante. Je fonce dans le tas. Comète, une griffe, frappé. Va peut-être mourir le truc. Non, sérieux. Là, il y a du foutage de gueule quand même. Là, il y a du putain de foutage de gueule. On y retourne. Comment que je meurs en boucle sur ce boss? Sérieusement, c'est fortement douloureux, quoi. Je vais tenter un truc encore plus con.
Après tout, on est des fous ou on l'est pas. Pas ça. Je retrouve pas mon truc. Mais je vais tenter un truc d'une violence inouïe. Voilà, ceci. Alors, ça augmente la vitesse, on va prendre. Ça augmente les chances, on va prendre. Voilà. On va tenter d'équiper son arme ultime, Tifa. Hein. Je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Faut que je commence par faire un régène aussi, faut pas que j'oublie de faire un régène. C'est important le régène. Ah, mauvaise ATB là. Ok, ça commence mal. Ça commence juste super mal. J'ai pété un bras. Là, les RNG n'est pas de mon côté. Hein. Définitivement pas. Tenter. Comète. Attends, bras gauche et lequel? Non, moi je veux le droit là. Bras droit, voilà, merci. Oh fuck! Là c'est juste la mort. Hein. Un bras de moins, ça c'est une bonne nouvelle. Deux bras de moins. On va raise. Deux bras de moins, je fais mon raise, ça va le faire.
Oh putain, ça fait mal. Allez, on y croit. Un MP sur Sinaël. Et c'est passé! Oh putain, c'est passé! Oh, qu'il est chiant ce boss! Oh, qu'il était chiant ce boss! C'est l'heure d'aller se farcir le mini-jeu à la con. Un cimetière. Les écailles de Léviathan, ça, ça va servir. Enfin, ça pourrait servir, mais pas tout de suite. Ça, c'est pour Tonton dont je me fous. Baston! Toi, tu vas te faire tuer. Mmh.
Pas spécialement besoin de heal, par contre, gros besoin de... Allez, les pouillaves. Le pouillavage d'anus en direct de maintenant. Oh, pouillavage. Ok. Banzai. Putain, mais je viens de le lire, merde. Tellement peu maniable. Voilà. Pouillavage, hein. C'est l'heure du mini-jeu à la con. Et c'est parti pour la suite. On va commencer par aller se reposer. Putain de PNJ quoi. Ce PNJ a le chic pour toujours me faire chier.
Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord, les mini-jeux, il n'y a pas plus chiant. Le pire des mini-jeux, ça reste quand même le snow. Je trouve que c'est franchement le pire, le snow. D'accord, donc c'est l'heure d'aller à la ville fusée. C'est l'heure de ressortir la Solus aussi. Parce que putain, la ville fusée, quoi. Avec le code que tu dois deviner. Ah oui, faut que j'entende. C'est bon, j'ai le code. Là, parce que le code, si tu l'as pas, c'est la merde, hein. On s'approche dangereusement de la fin. Mais vraiment beaucoup en fait. S'approche vraiment beaucoup de la fin. Et c'est l'heure de la baston! Et toujours l'heure de la baston. 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 Je crois que t'as énervé Tifa, fallait pas. Comète niveau 2, ça c'est bon. Ça c'est totalement bon, comète niveau 2.
Et fuck. Bouton dans le cul! Bouton la Shinra hors de la fusée! Allez, banzaï! Tu sens rien, t'as juste. On va commencer par faire ça. Qu'à faire, hein. Tellement efficace, rupture. Mais il veut pas me laisser passer, lui. Thank you.
Et la fusée décolle. Le moins de 30 heures est possible. Je serai d'une part fier et d'autre part super content si j'arrive à le faire, mais le moins de 30 heures a l'air possible. Ouais, une fusée d'école. C'est comme un cas d'école, mais en fusée. Hors de question de s'écraser contre un météore. Je préfère en chier des météores. Coucou Blutix, comment ça va? Pour moi, c'est plus encore la fin de la journée qu'autre chose. Hein. Alors, bon. Tada! Du premier coup. Comme tu peux voir, le petit compteur à côté du mot marathon, c'est le temps depuis lequel ce stream est en fonctionnement. Le temps depuis lequel je suis en train de streamer est là. 21h35, 55 secondes. Putain. Je suis encore en vie. Tu veux dire que la nana, elle s'est pas rendu compte que ça décollait, quoi. Mais écoute, ça va. En même temps, cette folie, c'était pour parler un petit peu du Tidor. Toutes les infos en bas du stream, en bas de la page. Et donc l'idée, c'est que je ne m'arrête pas tant que j'ai pas fini le jeu. Malgré la fatigue et tout. J'espère qu'elle est grande la capsule de secours. Avec tous les clandestins. Éjectage. Éjection, plutôt. Éjection. On retourne sur Terre.
En fait, techniquement, le stream est pas lancé depuis aussi longtemps que ça parce que. Comment dire? Mon PC a planté deux fois pendant ces 21 heures. Mais bon. J'ai pas pris de pause. Faut aller faire pipi vite fait, quelquefois. Bobo mes yeux. Mon réveil sonne. Lol. Mon réveil sonne, c'est l'heure où je mets mon réveil d'habitude. Donc il est l'heure où habituellement mon réveil fait gling gling. Bah écoute, c'est déjà bien sympa de passer, hein. Profite du stream le temps que t'en as envie. À toute façon, ouais, je pense que reste plus grand chose en fait en termes de temps. Bientôt la fin. Peut-être même en moins de 25 heures. Quand moins de 25 heures, j'ai des doutes. Le moins de 30, il y a des chances. Le moins de 30 heures, il y a de grandes chances. Hein. Le moins de 25, un peu moins, mais le moins de 30... c'est possible. C'est probable. C'est totalement faisable. Alors attends, je fais juste un petit réajustement dans mes fenêtres. C'est pour ça qu'il m'en faut en plus ce qu'il faut plus d'espace. Voilà. Ouais, je devrais finir à moins de 30 heures sur le timer. Là, j'ai dû faire les deux tiers du jeu facile. Il me reste quand même des moments où je vais devoir fermer comme une truie, mais... ça devrait aller. J'espère. Allons voir grand-père. Voilà, on va aller voir grand-père. Allons-y, allons-y. Emmène-nous voir grand-père. Emmène-nous donc voir grand-père. Like,